Heureux, chers amis, bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, ah, et vous êtes toujours sur Fanta Bob Games pour la suite d'Azur Asphras, comme d'habitude. Et là, je viens de découvrir qu'il y a une partie 4, Nirvana, qui s'est débloquée après avoir gagné le vrai Sutra 18, la tournure des événements en rang A minable, hein, B synchronisation. J'ai vraiment fait ça une main dans le slip. Mais c'est pas grave, on va enfin savoir qui est ce salaud. Cette salope. Oui, aucune idée, absolument. Absolument aucune idée. Et on va enfin pouvoir savoir. Pourquoi, le pourquoi du comment. Merci au DLC, merci Capcom. Alors, ce n'était pas encore terminé. Il restait encore un dernier ennemi à vaincre. Mais qui? Deus et Vlitra étaient vaincus. Qui pouvait encore menacer ce monde? Asura et Yasha se préparaient à affronter le véritable conspirateur derrière toute cette tragédie. Le véritable conspirateur, donc pourquoi pas. Après tout, si ça l'amuse de porter du rouge à lèvres, qui suis-je pour le juger? Bref, c'est pas très important. Yeah. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, naru hoshi yo. Ware ra wa anata wo koete iku. C'est tellement classe. Tu sais qu'un punch fait très mal quand il est en noir et blanc dans un shonen. Une maîtrise artistique de la chose. Je sais pas vous, mais moi j'apprécie vraiment le manga. Il y a vraiment un aspect visuel qui est très 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 bien géré. Après. Olga qui était démoniaque. On sait. Tu veux te venger. T'es triste. Voilà. Deus, ça devait être juste le meilleur coup du monde pour qu'elle soit triste comme ça. Ah oui, pendant ce temps-là, l'araignée de meurtre fait n'importe quoi et commence à tuer des gens. Rien à foutre, je suis une araignée d'honneur, je fais ce que je veux. Pendant ce temps-là, Mitra est ultra réactive. Ça fait plaisir. Ah, et là il l'entoure littéralement de son jus de cul, chers amis. Et oui, le fil d'une araignée, c'est littéralement son jus de cul. Et c'est juste dégueulasse. Je l'ai dit, hein, je suis désolé, je l'ai dit. Le miel, c'est du dégueulis d'abeille. Voilà, vous le saurez. Le fil d'une araignée, c'est du jus de cul. Voilà, vous le saurez. Oh, misère. C'est pas important. Voilà. Pendant ce temps-là, Mitra s'est transformé en Super Saiyan. Parce qu'il n'y a plus aucun respect. Hein, bien sûr. Et même qu'elle a craqué psychologiquement. Bon, on va peut-être savoir la suite là du coup. Allez, vas-y. Partie 4. Nirvana. Surprends-moi, jeu. Pour l'instant, t'as été très 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 agréable jusque-là. Vraiment. Et je pense que t'as encore pas mal de choses à me dire. Ah bah oui, on est toujours dans la forteresse Karma. Quel endroit plus cool pour se battre qu'un espèce de golem robot magique géant. Kyusenshi, Kenshin. Eh bah c'est gentil. Du coup j'ai le droit à la Triforce ? Est-ce que j'ai le droit à un vœu? Ah d'accord, c'est le créateur de tous les cerceaux de la Terre. Tous les cerceaux sont à lui, à elle, on ne sait pas. D'accord. Ok, donc en fait, tout est de sa faute. Juste pour trouver un héritier digne de son... Hey, fais gaffe, où est-ce que tu touches avec ses pattes, gros dégueulasse. Elle est mineure, je te rappelle. Bon, techniquement, elle a 12 500 ans. 12 500 et 16 ans, mais... Still, c'est dégueulasse quand même.
sa patte rouge à lèvres. Où est-ce que tu ranges tous ces bras, sans déconner? Ah, tu t'en souviens que maintenant? Il fait le rapport que maintenant, Asura. Ah bah pour le coup ça servait à rien. Ah ouais. Ah ouais, voilà, ouais. Je vais te la donner, ma main, mais droit dans la gueule. Oh, misère. T'as raison, c'est complètement hilarant. Eh bah si ça t'amuse. Ah tiens, je l'ai pas raté celui-là. Les deux autres je les ai fait, je vous le jure, c'est juste. Bizarrement parfois ma console ne veut pas. Hop esquive, hop esquive, hop esquive. Hop là esquive. Oh esquive, oh esquive. Pour l'instant tout se passe bien. C'est bon, je charge la barre. Ah ah, raté. Allez. Allez, esquive ça. C'est dangereux ça, c'était dangereux. Allez, shuriken. Ah là, je vais te couper, c'est pas. Oh, qu'est-ce que... Ah. Saï. Bien joué, Yasha. Oh. Bitch. Mon poing dans ta bouche, Dragon Punch, et tu te relèves. Allez, voilà. Ouh, putain. Là, je vais le payer, par contre. Oh, la vache. Chers amis, il est très, 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 très fort. Mais c'est bon, je peux le prendre, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah. Okay. Oh putain, ma barre de vie. Non mais t'es sérieux, enculé. LOL quoi. Non. Allez. Ma barre de vie. Non mais il est sérieux lui. La barre, le tir qu'a perdu quoi. Et là j'ai niqué tout mon Trikaya pour ses conneries. Ah si si si. C'est vraiment pas l'attaque à se prendre ça. Et pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Merci les frames d'invisibilité de la roulade. Où est-ce que je serais sans? Hop, cette casse en action. C'est pas grave, ça m'enlève pas de vie, je suis en Trikaya. Trikaya, je suis Muteki, gamin. J'ai failli faire. Allez debout, sac à merde. Il y est. Ah. Ça y est. Bien joué, Yasha. Falcon Punch.
Ah, relève-toi pour ta punition, gamin! Allez, Asura, mets-toi un petit power-up, là. Plus de bras, plus de chocolat! Moi aussi, je peux faire les mille mains, enculé! Alors comme ça, on croit qu'on est le maître des cerceaux, hein? On donnerait, moi, du cerceau droit dans ta gueule! Hulier! Je t'ai frappé tellement fort que ça a causé la moitié de l'épisode. Voilà qui lui apprend le respect. Elle apprendra, tiens. En plus, son rouge à lèvres est de... Là. Oh, mais avec plaisir! Skip! Raté! Raté! Oula, oula, mais ça, il a trop de bras! Esquive les bras, esquive les bras! Ah, Mitra se réveille. Dans sa boule, dans sa Pokéball. Retourne dans ta Pokéball, Mitra, je maîtrise la situation! Je maîtrise, j'ai dit, reste dans ta Pokéball! Oh fuck! Tourbillol Punch. Éloigne-toi, il impose ta pièce. Ah, c'est le cœur. Ah, waouh, saut laser. Qu'est-ce que c'est que cette attaque, quoi. Ok, il charge, puis il tire. Voilà, bien joué. Non, non, ah, non, ah. Ah, oh fuck. Ah. Raté Dragon Punch. Toi, tu t'en sors comme ça. Trikaya. Cassage. J'ai claqué toute ma barre. Toute ma barre de Trikaya sur ce conneries. Oula. Oh, je peux rouler à travers. Ça veut dire que si je time bien. Allez. Allez. Non. Oula. Raté. Ultra laser n'est pas très efficace sur Bob. Mantra Michel utilise ultra laser, mais ça n'est pas là, ça touche. Non, ça touche bien. Non, mais c'est pas vrai. Yeah. Ah, ma barre de vie. Ça prend seulement la moitié de la... Ça c'est possible. Ah bien. Voilà, super. Ça tu payes. Tourbillol Punch. Putain, mais ça me monte rien à la barre, quoi. C'est pas votre tactique, là.
Shoryuken! 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 Dragon Punch! Allez, Cassos, Cassos, Cassos! Ah, super! Excellent! You got shit against me, son! J'ai compris tes patterns! Et non! Je te casse dedans! Oula, oula! Ah, cela! Oh! Ouh, le plantage dans la gorge! Boum! Dragon Punch! Allez, tu vas le payer! Tourbillon! Punch! C'est fini! La vache, qu'est-ce qui t'a fait dur? Papa est en colère. Il le provoque. Allez! Allez! Le bras qui craque, c'est pas grave, t'as l'autre! Allez, Asura! Tu vas pas crever pour ces conneries! Ouah, il est mis tout nu! Il a même claqué la forme de l'incontrôlable. Asura sans cœur. Sore demo nao. Yamete. Chikara o tsukai sugiru to otousama no karada ga. C'est nouveau ça. Ah non 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 non, pas la caméra sous ça, juste. Merci. Je pense qu'on est sur YouTube, on n'a pas besoin de voir ça. Effectivement, c'est la merde. Attends, il y a combien de planètes là? Qu'est-ce qu'il fout? D'ailleurs, la planète n'a pas été affectée par le vide là et tout ça. Non, apparemment, tout a l'air d'aller bien. L'eau est bleue. Wihi! C'est combien là? C'est la sixième fois qu'on atterrit sur Terre comme une météo. Oh shit! Ha ha ha! Ça, c'est métal! Et bien sûr, ça ne va affecter la planète d'aucune façon. Ah si, tiens, pour une fois. Bon. Moi, je pense qu'Azura a besoin d'un training montage. Un montage où il s'entraîne. Vous savez, où il court sur la plage. Où il fait des pompes. C'est joli. Si seulement ce n'était pas des morceaux de métal flamboyants et mortels.
Ça, c'était la phrase bullshit du shonen. On aime ça, mais qu'est-ce qu'on aime ça? Oh, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bah c'est ça le Supra 19. Ça veut dire qu'il y en a encore quelques-uns derrière. Ça fait très très plaisir. Allez, temps C, j'ai mis un temps fou. Point de combat S. S. Ok, on va. De toute façon, maintenant, j'en ai plus rien à foutre du rang. Je vais être sincère. Hein, parce que on m'avait dit juste avant, sans me spoiler, c'était à partir de l'épisode 2, je crois, qu'il fallait 5 rangs S pour débloquer la vraie fin. Et moi, j'étais là, bon, bah, ok, 5 rangs S. En plus, j'avais pas eu de mal à les avoir, donc je m'étais dit, ok, easy peasy. Au final, j'en ai eu une dizaine, plus que ça même. Et au final, ça s'est fait tout seul. Mais là, après, je pense pas avoir besoin de rang S pour débloquer quoi que ce soit, donc je m'en contrefous. Vous pouvez y aller, papa est en colère. Surtout qu'honnêtement, je vois pas comment j'aurais pu lui faire plus de dégâts plus vite, en fait. Il était vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Allez, un petit peu de pipipip, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pipipip. Bon, pas grave, c'est pas grave. Allez, Demon Mad. What the fuck, qu'est-ce que c'est que cette image? Yusuke Tokitsu, pourquoi pas? Voyons voir la tronche du truc. Ouais, il a quand même beaucoup de mains, le type. Hein. Enfin. Subconscient de Vitra. Les Goma, pourquoi Vitra a été vaincu? Oui, la source des Goma a été détruite. Les Goma ne devraient plus exister. Mais finalement, il s'agit de ma manipulation envers la colère de la planète. Ma création. Si je choisis de le faire, je peux faire apparaître autant de Goma que je le souhaite. Il n'y a rien d'autre qui compte. Oui, je vais lui donner cette voix comme ça. Je suis désolé, c'est le rouge à lèvres. Mais pourquoi faire une telle chose? Je dois trouver mon successeur, celui qui guidera le monde à ma place. Laissez-nous tranquilles, nous avons enfin trouvé la paix. Votre paix n'est qu'un moment fugace dans l'espace éternel du temps. Celui qui peut guider votre race vers la voie du salut doit être choisi. Chakra Martin, 2013. Si ce n'est qu'un bref moment, pourquoi ne pas nous laisser le savourer? C'est ma destinée, en tant que celui qui possède le pouvoir. Dans ce cas, personne n'a besoin de ton pouvoir. Vraiment? Votre précieux mantra n'est des prières et des âmes, vous a été transmis par nul autre que moi. Si la roue de la vie que je contrôle est perdue, le mantra disparaîtra également. Que deviendra votre race? Oh. Wow. Il est sympa ce... Vous ne deviendriez que de simples mortels. Et ce n'est pas tout. Ton père, dont la vie dépend totalement du mantra de la colère, cessera d'exister. Repose-toi maintenant. La prochaine fois que tu t'éveilleras, tu seras près de ton père qui aura pris ma place en tant que nouveau dieu de ce monde. Père. Bon, bah ça m'a plutôt cool. Chakra Martin. Voilà, c'est tout. Pas de spoil, chers amis, ce serait absolument honteux. C'est une catastrophe, enfin bref. Bon. Et ben moi ce que je préconise, c'est un training montage, c'est-à-dire un montage d'entraînement où on voit Asura s'entraîner, tu sais, de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il ait la grande force, puis il va attaquer la base où se trouve Chakra Martin et puis lui péter la gueule. Et il aura au moins 3 formes. Voilà. Je dis ça, je dis rien, c'est juste que voilà. Sur ce, en tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas les pouces verts, les commentaires et tout ce qui vous amuse. Dans tous les cas, c'est aucun souci. Et je vous retrouve pour la suite d'Azura's Phrase. A tout de suite sur Fantagraph Games. Gros bisous et zou.